c'est celui-là. Le spéculoos. Ça fallait s'en douter. Le spéculoos, il est un peu mou, quoi, du coup. Il reste à l'air libre. C'est bon? Et vous? C'est ce que c'est. C'est, je sais pas quoi penser de ce truc-là parce que c'est ni bon ni mauvais. Voilà. T'as vu? Elle. Tu vois les donuts qu'on a achetés en Belgique? Bah, c'est à peu près le même goût. Mais je vois pas le goût du spéculoos dedans. Ah ouais? Le donut, il est pas sec. Mmh. Oui, j'ai pris le goût. Ça va. Je suis déception. Voilà. C'est mon récapitulatif. Bonjour à tous. Si vous me voyez de la même façon habillé qu'hier, c'est normal. C'est tout simplement que j'ai tourné deux vidéos en un jour. Je suis pas un crapé. Et puis si je reste habillé deux fois de la même façon, deux jours d'affilée, c'est pas votre problème, c'est moi qui décide. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on est là pour parler du nouveau, nouveau entre guillemets, c'est arrivé récemment à Auchan de El Godot. Mais c'est déjà, ça existait déjà quelque part d'autre, je crois à Lille ou quelque chose comme ça. On va parler du magasin de donuts, Donuts and Donuts. Donc, j'avais l'idée de prendre ça pour ma famille à un moment, quand je suis passé après le lycée, après la salle de sport, tu vois, comme ça tu dis, j'étais à la salle de sport, j'ai mangé un bon donut. Nickel. Et je leur avais proposé, parce que ma mère et ma soeur étaient passées à côté, et donc m'avaient dit, dis-moi ce que t'en penses sur le visuel. Sur le visuel, c'est beau, parce qu'en fait, c'est plein de pétales de roche, je sais pas si j'arriverai à trouver des images sur internet, je vous montrerai parce que j'ai pas pris le réflexe de filmer directement avec mon téléphone. S'il y a moyen que j'arrive à y retourner avant, en fait c'est plein de pétales roses et blanches. C'est beau hein, vraiment visuellement c'est beau. Et ça correspond clairement avec le logo de l'enseigne qui est du coup rose, blanc, un peu beige clair, un truc comme ça. Et ça correspond carrément avec du coup le truc. Ensuite, les donuts, un truc que je trouve bizarre, ils sont laissés à l'air libre. Alors peut-être c'est moi qui trouve ça juste bizarre. Et à ce moment-là, ok. Mais comme je suis en cuisine, je me dis, c'est pas censé être à l'air libre. Parce que du coup, on va dire, il fait à peu près 15 degrés à l'air libre. Comme on est dans Auchan et que les chauffages qui fonctionnent sûrement. Donc on va être à 15 degrés, on va dire. Donc pour moi, ça m'a semblé bizarre. Et même parce que du coup, t'as certaines garnitures, entre guillemets, garnitures, décorations qui sont dessus. Comme des spéculoos, des Kinder Bueno, des M&M's. Et en fait, ils restent dessus. Et donc du coup, c'est en l'air libre. Alors pour tout ce qui est truc qui est moelleux. Mais pour tout ce qui est, on va dire, croquant, comme le spéculoos sans être croquant, les M&M's sans être croquant, ça peut être mou en fait, et moi ça m'a paru bizarre, mais bon, si ça reste comme ça, c'est que c'est dans le droit, donc je me dis juste c'est mon opinion, voilà. Du coup, j'ai pris une boîte de 6, qui n'était pas forcément très chère, 13,80€, comme ça, pour une boîte de 6, ce qui vaut clairement le prix. Après, si vous voulez un donut normal, je crois que c'est 2,50€ ou 2,60€ tout seul. Et vous pouvez prendre tout seul par boîte de 6 ou une boîte de 12. Ce qui est cool. Vous pouvez même boire là-bas, donc des petits verres, trucs comme ça. Et vous pouvez aussi personnaliser vos donuts. Donc faire des commandes pour personnaliser vos donuts. Mais vous pouvez en prendre que 6 donuts personnalisés par commande. Et ça reviendrait à 2,90€ le donut personnalisé. Donc faut penser qu'il va y avoir sûrement une limite sur la personnalisation du donut. Mais à ce moment-là, si vous voulez personnaliser votre donut, il faudra aller sûrement sur leur site, ou alors appeler avec le numéro de téléphone qui sera donné sur leur site, et demander si c'est possible d'avoir une commande pour un donut personnalisé, ou plusieurs donuts personnalisés. Maintenant, je vais vous dire clairement ce que j'ai pensé de cette enseigne. Et comme c'est pas sponsorisé, j'ai pas besoin de mentir. J'ai pris donc deux donuts spéculoos pour mon père et moi, donc vous allez avoir deux avis différents, parce que mon père et moi, on n'a pas eu forcément le même avis. Vous allez voir que donc du coup ça peut différencier en fonction des personnes et donc je vous conseille d'aller vous-même goûter parce que mon opinion c'est la mienne, c'est pas la vôtre, je vous force pas, alors je dirais que vous devriez aller à cette enseigne, Donuts and Donuts, vous pouvez en trouver donc à Auchan, Lille ou un peu partout je crois dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis pas sûr, mais je m'en renseignerai, je vous mettrai en même temps ici les endroits où vous pouvez le trouver.
Et maintenant, je vais vous donner mon avis. Donc, du coup, j'avais dit deux donuts spéculoos pour mon frère et moi, donc vous allez avoir deux avis différents. J'ai pris un M&M's pour ma petite sœur, deux Kinder Bueno, un pour ma petite sœur. J'ai deux petites sœurs. Et un pour ma mère. Et le dernier, c'était cheesecake fruits rouges. Pour ma grande sœur. Je crois que c'est ça. Cheesecake fruits rouges. Alors, maintenant, je vais vous dire mon avis sur le spéculoos. Mon avis, c'était que le donut en soi, il est bon. La pâte à donuts est très bonne. J'ai kiffé. C'est sucré, mais pas trop. Il y a un bon équilibre qui a été fait entre le sucre, la pâte à donuts et le tout. Maintenant, ce que j'ai été déçu par rapport à ça, parce que oui, il y a un bon point, mais il y a aussi un mauvais point, c'est, comme du coup j'ai pu le dire en première partie, c'est que les spéculoos sont à l'air libre, et garder un spéculoos à l'air libre, ça fait le truc qui rend tout mou. Et donc du coup, ça m'a pas paru choquant, parce que du coup, je l'avais déjà en tête cette idée-là de... S'il est à l'air libre, il va être mou, donc tu t'attends à ce que ce soit croquant, mais tu savais quand même au fond de toi que ça allait être mou. Donc c'est juste ça que je trouve un peu, malheureusement, un peu moins bien. La crème spéculoos qui est censée avoir au-dessus. Alors, je sais pas si c'est mes papilles qui sont comme ça, mais je l'ai pas trop ressenti, le spéculoos, dans la crème. Alors, j'en ai parlé avec mon père de ça aussi, il m'a dit peut-être que si tu mets trop de spéculoos, ça devient vite écœurant. Peut-être. Mais moi je pensais que le goût n'était pas assez prononcé. Alors peut-être il manque un petit truc pour rehausser le goût de la crème. Mais sinon moi je dis que le bonus en soi il est bon, hein. Clairement je vous le dis. Il est bon, vous pouvez y aller sur le spéculoos, il est bon. Mais vous attendez pas à trop avoir le spéculoos croquant à moins que vous y allez au matin quand ça ouvre. Mais en tout cas sachez que c'est un très bon donut pour moi. Je mettrai clairement un 7 sur 10 pour le test donut. Voilà. Mon père lui ce qu'il en a pensé, il a pensé très bon le spéculoos sur la crème. Le spéculoos, en fait, il a trouvé tout bon, sauf que le seul truc sur lequel mon père et moi étions d'accord, c'était le fait que le spéculoos était mou en fait sur le dessus. Et c'était juste ça le problème. Et on va mettre une note entre 7,5 et 8 pour mon père. J'imagine qu'il donnerait ça. Donc on va l'arrondir à la moyenne de 7,5 pour nous deux. Maintenant, on va parler du Kinder Bueno. Comme il y a deux avis différents. Donc, le Kinder Bueno qui a été testé par ma mère et ma petite sœur. Et ma mère en a pensé quoi d'abord? Alors, ma mère en a pensé que la crème qui avait la crème Kinder Bueno du coup qui avait dessus, elle était un peu trop sucrée. Il n'y a pas l'équilibre qui a été créé. Un petit goût de Kinder Bueno quand même, mais pas assez prononcé comme d'habitude. Mais quand même. Un taux de sucre qui avait l'impression d'être assez haut quand même, et c'était pour ma mère assez écœurant. Mais la pâte à donuts en soi était très bonne, voilà. Ma petite sœur, ce qu'elle en a pensé, c'est que pour elle, il manquait juste le goût du Kinder Bueno qui n'était pas assez prononcé. Mais sachez qu'ils ont l'impression que le Kinder Bueno n'était pas assez prononcé. Ma mère l'a trouvé trop sucré, ma petite sœur, non. Après, j'allais dire, c'est logique, ma mère et ma petite sœur, il y a une différence d'âge, donc ça peut jouer aussi énormément sur le sucre, le taux de sucre. On va passer sur le donuts M&M's maintenant que notre petite sœur a pris et elle a trouvé en soi très bon. Mais le seul point faible c'est qu'en fait il y avait les M&M's dessus mais c'était que les carcasses de M&M's. Entre guillemets les carcasses, qu'est-ce que je dis ? La couverture du M&M's. Donc du coup en fait ça c'est du chocolat de base et ils te remettent du chocolat au-dessus et t'as pas la présence de la cacahuète. Donc à ce moment-là si c'est M&M's, c'est des M&M's sans cacahuète. Parce que je me serais dit, il va y avoir de la présence de la cacahuète. Soit une crème à la cacahuète à l'intérieur, soit un peu de beurre de cacahuète, ou je sais pas quoi. Mais un truc qui représente la cacahuète dans le donut. Et ma soeur, elle a juste trouvé ça qui manquait, mais sinon elle a dit, l'ensemble était très bon. Je sais pas quelle note elle donnera, mais on verra bien. Au pire, je lui demanderai, je vous mettrai sa note ici. Et pour le Kinder Bueno, parce que j'ai oublié aussi, là. Et on va passer maintenant au dernier donut. Le dernier donut, du coup, c'est le cheesecake fruits rouges qui a été pris par ma grande sœur. Pas si grande que ça. Petite balle perdue, désolé. Elle a trouvé je sais pas si elle m'a dit extraordinaire. Elle m'a dit qu'elle a trouvé. Il était très bon en fait. Clairement, elle m'a dit que c'était très très bon, elle a kiffé. J'ai pas plus de description parce que elle m'a pas dit plus. Mais en soi, elle a dit qu'elle avait trouvé très très bon et donc, du coup, je lui fais confiance. J'imagine que ça sera une note de 9, je mettrai de toute façon sa note ici.
Bref, voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc du coup, je vais vous mettre une note globale qui sera donnée que par mon avis, pas par l'avis des autres. Je vous ai mis leur note ici, là. Sur la globalité du truc, alors, comme j'ai dit, c'est très beau. Visuellement, c'est très beau. Même les deux notes visuellement sont très beaux. Le seul bémol, comme j'ai dit, c'est le fait qu'ils soient restés à l'air libre, et donc du coup, ça peut rendre les choses molles qui sont censées être croquantes. Donc pour moi, c'est le seul point faible de cette enseigne. C'est le seul bémol pour moi. Sinon, le reste, les donuts c'était très bon. Les boissons qui peuvent être accompagnées là-bas, c'est super. Je sais pas s'il y a un menu en mode donuts boissons. Je sais pas, j'ai même pas regardé. Je regarderai sur leur site. Mais vraiment, c'est quelque chose où je pense que j'irai repasser, peut-être pas tous les jours, mais je pense que peut-être une fois par mois, une fois tous les deux mois, n'importe. Je repasserai en tout cas dans cette enseigne si je veux acheter un donut, si j'ai une envie de donuts. Et si vous voulez que je fasse une vidéo où je prends plus de donuts et que je goûte directement en vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à partager avec tout le monde et aller goûter directement à l'enseigne Donuts and Donuts. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la 3e vidéo de décembre. C'est Anthony et je vous dis à plus. T'as de beaux yeux, tu sais.